Salut à tous, c'est Alex et Fission. On est ce soir dans le 5e arrondissement de Paris pour assister à la conférence organisée par HEC Alumni, le métavers dans l'assurance, applications concrètes et prochaines étapes. Suivez-nous, on vous embarque à la découverte du fameux monde virtuel. Nous, on voulait surtout parler des applications plus concrètes, des cas d'usage, des échanges, des premiers retours d'expérience ou des prochaines étapes ou la façon d'envisager le métaverse pour l'assurance. Concrètement, un métaverse, c'est la représentation physique de l'Internet. Vous avez beaucoup plus d'interactions dans un métaverse et vous pouvez beaucoup plus vous développer humainement parlant. C'est bien de se faire des idées, mais c'est mieux de toucher concrètement et de s'immerger finalement. Faire un zoom, c'est beau, c'est un peu triste quand même comme expérience. Faire un rencontre dans un métavers, ça dit beaucoup. Et on se dit que peut-être, on ne sait pas encore, d'ici 2-3 ans, ce sera un gros truc. Peut-être que ce sera aussi gros que ce qu'était Internet fin des années 90. Les évolutions, elles sont quasiment illimitées, même si on garde quand même en tête qu'aujourd'hui, on est au tout début d'une histoire et qu'il faut attendre de voir un petit peu comment ça va évoluer. Une soirée où on a 80-90 personnes, ça se monte pas comme ça s'est fait tout seul. Donc le TG a toujours aussi vite, hein, ça s'est pas arrêté. Par contre, il y a des gens qui sont montés dedans.